Bonjour, on revient déjà. Ouais. Merci d'être venu. Ouais, merci de prendre le temps de nous accorder en tout cas ton temps. On commence par une question, un mot. Ouais. Je te donne un mot, tu réponds par un mot. On est bon ? On est bon. Un sport. Football. Un sportif. Cristiano Ronaldo. Une sportive. On n'est pas. Une association. Une lueur, un espoir. Je connais pas trop. Association là, mais j'ai entendu que vous avez pas mal de bien, si elle existe vraiment, parce que je sais pas si elle est vraie. Ok. Un modèle. Un modèle, modèle de travail par exemple. Un modèle, moi j'ai pas de modèle, le modèle c'est les valeurs et croire à ce qu'on veut faire. D'accord. Un artiste. Un artiste. Je dirais Kerry James, voilà. Une valeur. La loyauté et l'honnêteté. Un pays. Algérie. Un plat. Un tagine. Une passion. Le football. Une qualité. Ne pas être hypocrite. Un défaut. Être jaloux. Un rêve. Ouf. J'espère faire un grand bond dans le milieu du football et pouvoir avancer et pouvoir apporter ma plénitude de qualité aux joueurs et pouvoir avoir une reconnaissance sur le travail que je fais. Une citation. Chaque choix a ses conséquences. Ça c'est pour moi dans le football. Nos valeurs sont vos succès. Voilà, c'est les valeurs de World Football Consulting. Tu peux nous redire ? Nos valeurs sont vos succès. Très bien. Une question, une année. Ok. Je te donne exemple. Naissance. Très bien. La naissance, une année. 1982. Laquelle ? L'année où je suis né. Là où tout a commencé. T'es né où ? Je suis né à Créteil, en région parisienne. Je suis juste né là-bas. Donc mon papa travaillait à l'hôpital en Rémondor, donc c'est pour ça que je suis né là-bas. Ok. Date du premier sport. 1989. Lequel ? Football. Où ? Également au sport. Eh bien. Un exploit sportif. L'année. Un exploit sportif. Je pense à quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, pourtant c'est pas. Mais c'est l'épopée, c'est l'année où on gagne le championnat avec Ousmane Sow, on était en 17 DH, en moins de 17. On joue la montée en nationaux. On va loin Gambardella, sur Saint-Etienne si je ne me trompe pas. On est le seul club amateur à être en 16e de finale de la Gambardella. Et au final on est sorti en 8e par un club pro, je ne me rappelle plus exactement quelle équipe, et on va en finale de la Coupe de Paris. Et cette année-là, grâce à ça, Alain Baumann nous a tendu la main pour intégrer le groupe de l'équipe première. D'accord. Voilà. Un bon souvenir alors. Un bon souvenir en tant que joueur ou en tant que ou n'importe globalement. Globalement. Un bon souvenir, la naissance de ma fille. Très bien. Mauvais moment dans le sport. Blessure à 26 ans, donc une fracture tibia peroné, rupture des ligaments, luxation intense de la cheville. Ça a été la fin. Fin de carrière. Le chirurgien m'a dit écoutez, vous ne pouvez plus jamais jouer au foot, que ce soit de haut niveau, bas niveau, il m'a dit c'est terminé. Comment on sent dans ce moment-là? Bon, au début, on est très triste, hein. Tu sais, j'ai été à la fois un acteur et un passionné du football, donc voilà, j'ai eu des échecs, je suis passé par un centre, forcément, quand tout s'arrête du jour au lendemain, tu vis football, t'as du mal, quoi. Tu penses que tu vas guérir et que tu vas recommencer à courir, mais au final, tu te rends compte que c'est déjà très long. Après, il a fallu, à un moment donné, faire son deuil et passer à autre chose, quoi.
D'où je suis resté. D'où je suis resté. Je suis passé d'abord, je suis devenu éducateur. Et puis après avoir été éducateur, je suis passé justement du côté de la barrière pour faire de la gestion de carrière de joueur. Très bien. Tu nous en parles un petit peu alors ? Ouais, bien sûr. Moi, je suis aujourd'hui. Je peux pas dire agent parce qu'aujourd'hui, pour moi, le terme agent n'est pas. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus que le métier d'agent. On fait de la gestion de carrière. On fait du conseil. On accompagne les joueurs. On les oriente sur des bons choix. On fait de l'analyse. Personnellement, chez World Football Consulting, on fait des statistiques. On va voir beaucoup de matchs. On analyse avec eux les matchs. À la fin, on leur donne des statistiques en chiffres. La qualité de leur match, on essaie de leur dire voilà où ça a merdé, là où ça a été bon. On essaie d'être le prolongement du discours du coach. L'agent, pour moi, je devrais être un discours. Tu dois accompagner le joueur, si tu préfères, dans la performance et l'amélioration de son quotidien par à travers ses qualités de travail. Donc on essaye à la fois de les accompagner sur le débrief du match, avec des statistiques en chiffres, comme je te l'ai dit, mais on essaye aussi d'anticiper pour leur permettre de rebondir à la fin de leur contrat, soit dans leur club actuel, ou sinon en essayant de les faire grandir sur des clubs qui sont de l'étage supérieur ou vers l'étranger. Mais l'idée, c'est d'anticiper que le joueur ne se retrouve pas en galère sans club, au chômage, et ne se retrouve pas dans une situation d'un club où il va être dans la merde, parce que le joueur, le coach n'a jamais compté sur lui, il va se retrouver avec des problèmes financiers et compagnie, voilà. Donc c'est d'anticiper, c'est une gestion globale du joueur. Ça, c'est pour le joueur pro. Après, le joueur amateur, on va essayer de l'aider à grandir, sortir de son petit club de la banlieue ou de la ville, peu importe où on voit, parce que s'il joue en campagne, il n'est pas en banlieue, et d'essayer de l'aider à grandir, à améliorer et intégrer un centre de formation. Voilà, globalement. Très bien. Quelles sont les motivations qui t'ont poussé à devenir agent ? Comme je te le dis, tu vois, j'ai dû fermer le livre en tant que joueur. À un moment donné, tu veux rester proche du football, tu réfléchis, je suis devenu éducateur aussi. Donc tu réfléchis un petit peu à ce que tu vas faire. Et globalement, par rapport à ce que tu vas faire, tu te tournes un peu en rond, tu es éducateur. À un moment donné, en tant qu'éducateur, voilà, c'est bien, mais il manque un petit peu de l'adrénaline autre que celle du terrain. Donc voilà, moi, quand j'ai arrêté le foot, déjà, il faut savoir, je n'avais pas de diplôme. J'ai repassé mes diplômes en candidat libre. BEP, bac, pro, je les ai eus. J'ai fait grimper les échelons pour devenir ingénieur en commerce. Et au final, tu te rends compte de quoi ? Tu te rends compte qu'aujourd'hui, devenir un agent représentant d'un joueur, tu es le commercial d'un joueur, quoi. Donc aujourd'hui, tu vends ses qualités de joueur, tu vends ses qualités humaines, tu vends la valeur ajoutée qu'il va apporter à un coach, à une équipe, quelle est sa petite touche qu'il va apporter pour faire grandir le club ou l'équipe, et qui va lui permettre à lui de grandir, et comment il s'intègre à un groupe. Très bien. Et ce qui m'a poussé réellement, c'était ça la question. C'est ça la question. Excuse-moi, donc ce qui m'a poussé réellement, c'est qu'aujourd'hui autour de moi, j'ai vu beaucoup d'amis qui ont été joueurs, qui n'ont pas réussi, soit parce qu'ils ont mal été conseillés, soit parce qu'ils ont mal été orientés, ou soit parce qu'ils ont eu des agents qui ont eu la pas du gain, mais qui n'ont pas pensé à la place du joueur. Moi j'ai été joueur, j'ai été face à des agents, on m'a proposé des choses et autres quand j'étais jeune, j'ai pas eu la chance de passer pro, mais il y a des agents qui ont peut-être été, qui sont peut-être pour quelque chose, tu vois. Quand à un moment donné, je dois faire un essai dans un club, et un club qui est intéressé par moi, qui vient jusqu'à la maison, qui tape à la maison, qui montre qu'il me veut, et qu'il y en a un autre, ou un agent qui me monte la tête, ouais, mais là-bas, va là-bas, c'est mieux. Et qui, j'ai pas eu d'intérêt, j'ai pas eu de contact direct avec le club, c'est un agent qui m'en parle. Et que je me dirige là-bas plutôt que là, au final, j'ai tout perdu. Mais ouais, non, on n'a jamais cherché de joueur à ce poste-là. Au final, j'ai perdu là-bas, et j'ai perdu ici. Parce que là-bas, ils ont entendu, ils n'ont pas apprécié, hop, club de fin. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de joueurs autour de moi qui ont réussi une carrière pro, qui sont passés pro, mais que la carrière a été échaudée, elle s'est terminée avant l'heure, où ils se sont retrouvés en galère, des fois je n'ai pas joué pendant un an, parce que l'agent a vu la pas du gain économique. Il faut se mettre à la place du joueur. Il faut penser dans l'intérêt du joueur. Dans l'intérêt du joueur, c'est penser, j'ai différentes possibilités. Si je signe là, est-ce que j'aurai la possibilité de jouer plus qu'ici ? Là, je vais toucher peut-être plus d'argent, mais est-ce que là, ça me permet de grandir sportivement ? Donc c'est un ensemble. Il y a un joueur pour qui je ne citerai pas le nom, qui aujourd'hui évolue en Ligue 2. On avait 4 offres cet été. On avait un club qui nous proposait plus que d'autres, mais on n'a pas choisi cette option, parce que dans cette option, moi j'ai analysé qu'il y avait un joueur qui était là, sur lequel il y avait un projet, sur lequel il avait 2 ou 3 ans de contrat. Donc c'est difficile. Et un joueur qui a été payé en plus. On a payé un petit transfert. Donc forcément, il faut justifier ça. Et qu'il y a un bon joueur en plus. Par contre, dans l'autre club, on a vu qu'il y avait un joueur qui n'avait pas forcément d'expérience, qui avait la même année de contrat, qui était sur la même ligne et qui avait à peu près
les mêmes conditions salariales. Donc ils étaient vraiment sur la même ligne, tu vois. Et qui est un autre profil de joueur. Donc mon joueur, je savais qu'il avait les qualités pour passer devant. On a choisi cette option parce qu'il y avait plus d'intérêt pour jouer. Jouer, c'est grandir. Grandir, c'est apprendre. Et apprendre, c'est continuer une carrière. Très bien. Selon toi, les qualités requises, en quelques mots, pour être justement agent et conseiller de joueurs. Mais écoute, il y a différentes qualités. Donc déjà, il ne faut pas dormir le matin à l'approche du mercato à attendre que ça va se passer. Aujourd'hui, on a des personnes qui mettent des joueurs en centre de formation, qui attendent que ça se passe, ils les posent comme des graines, et ils pensent qu'au printemps, la fleur, elle va sortir. Ça ne se passe pas comme ça. Les joueurs pros, c'est pareil. C'est pas parce que ton joueur il fait ses matchs que les clubs vont arriver. C'est à toi d'aller prospecter, c'est à toi de faire des rendez-vous, c'est à toi de te déplacer, rencontrer les clubs, aligner, je veux dire, une information auprès du club, véhiculer une bonne image du joueur et faire en sorte que le joueur aussi fait le bon taf sur le terrain. Parce que si le joueur ne fait pas le taf, mais pour toi, ça va être difficile. Par contre, s'il fait le taf, tu as intérêt à faire le taf derrière. Donc, savoir une anticipation. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche commerciale, il faut avoir un bon rôle de communicant, il faut être actif, il faut être un charbonneur, il faut avoir la niaque, il faut connaître le football, il faut avoir un réseau. Il faut avoir l'œil, il faut analyser les besoins et les anticiper, enfin les besoins des clubs. Je pense que c'est un ensemble de choses. Il faut être honnête avec le joueur et avec le club. Ne pas vendre, ne pas promettre. Moi aujourd'hui, tous les joueurs qui bossent avec moi, quand je leur propose de bosser avec moi, je leur dis, moi je te promets une ligne DH, une ligue 1. C'est pas moi qui fais le taf, c'est toi à 90%. Les 10% restants, c'est de moi, grâce à tes qualités, d'aller chercher le reste. Par contre, c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Les joueurs, les agents aujourd'hui, ou les conseillers, ou les gestionnaires de carrière, qui promettent, t'inquiète, moi je peux mettre là, je te promets que je te mets en Ligue 1, c'est des menteurs. Ou c'est qu'ils font une magouille avec le directeur sportif, ou avec quelqu'un. Comment tu peux, un joueur qui n'a pas été vu, qui n'a pas été analysé, tu sais déjà, 6 mois avant, 1 mois avant, 1 an avant, pardon, que tu peux le mettre là. Mais chose que je ne comprends pas. Et la plupart de ces gens qui sont acteurs, en tant qu'agents, conseillers, pardon, gestionnaires de carrière, ils n'ont jamais joué au foot. Ils ne savent même pas c'est quoi. Ils ne savent pas se mettre c'est quoi la place d'un joueur. Ils ne savent pas anticiper ou savoir c'est quoi un joueur qui est en galère, qui a une femme, des enfants, qui a des trucs à payer. Ils ne savent pas c'est quoi. Donc il faut anticiper et bien encadrer le joueur, ne pas lui mentir, être honnête. Et ne pas prendre des décisions à la place des joueurs. Tout simplement. Moi j'ouvre les portes, c'est le joueur qui décide. C'est toi qui as fait le choix. Moi je te conseille, la décision finale te revient à toi et ta famille. Tout simplement. Qu'elle soit un pro ou un jeune ensemble de formation. Voilà. Je rebondis sur ça, justement, l'environnement d'un joueur, donc. Ouais. Quel est-il ? Quelle influence il peut avoir ? Il peut être à la fois positif et négatif, tout dépend. Aujourd'hui, malheureusement, pour nous qui habitons en périphérie de la capitale française, Paris, j'estime que pour les joueurs de quartier, ils ont une qualité qui est nulle part en France. Ils ont de la niaque, une envie. Après, il faut faire attention, bien entendu, à l'entourage. Parce que malheureusement, dès qu'un joueur arrive en centre de formation, il commence à percer. Il y a des gens vicieux qui tournent autour pour essayer de profiter de l'intérêt économique ou de se montrer ou dire « ouais, moi je connais tel joueur ou tel joueur ». Après, il faut faire aussi attention à l'environnement, qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui gonfle la tête. C'est pas parce que tu as signé pro ou que tu es en centre, que tu as signé stagiaire, que tu es arrivé. Eto'o dit une phrase très importante. J'ai bossé tous les jours comme si c'était le premier jour où j'arrivais et qu'il fallait que j'étais à l'essai pour gagner ma place. Il faut toujours garder cet état d'esprit. Ne jamais croire que les choses sont acquises. Donc, c'est très important, l'hygiène de vie, l'entourage, les potes, les meufs, très important, surtout les femmes. Il y a pas que il y a beaucoup de choses, mais les femmes peuvent vite faire tourner la tête. Très bien. Attention à être une nana qui est prête à te suivre, qui est prête à t'aider dans ton quotidien alimentaire, dans ton hygiène de vie, et qui va plutôt te donner une conscience et t'alléger ton état d'esprit qu'autre chose. Voilà, tout simplement. L'hygiène de vie ? C'est quoi une bonne hygiène de vie ? Une hygiène de vie, déjà, c'est pas se coucher à 1h, 2h du matin, traîner en bas d'un quartier ou être au centre de formation sur son téléphone jusqu'à 1h du matin, ou même pour un pro, à dormir à 1h, jouer à la PlayStation, faire des nuits blanches, boîte de nuit, poker et compagnie. Tu sais, ton métabolisme, le système du corps humain, il a besoin de se régénérer. Donc ça veut dire qu'il a besoin à un moment donné d'un repos. Ton corps, tu le sollicites beaucoup, tu t'entraînes une fois le matin, une fois l'après-midi, quand tu es chez les pros, même chez les centres de formation. Les clubs amateurs, c'est différent, tu t'entraînes une fois le soir après l'école. Mais pour ce qui est des centres de formation et des pros,
ou même en CFA, hein, tu doubles des fois, tu sollicites beaucoup ton corps. Donc ce qui veut dire qu'il faut que tu lui rendes un petit peu cette sollicitation par du repos. Ne pas manger gras, faire attention à ne pas manger des grecs, des pizzas et compagnie. Boire de l'eau, éviter tout ce qui est sucré, éviter tout ce qui est gras. C'est très important, c'est ce qui aussi sollicite les blessures. Par exemple, beaucoup de joueurs se blessent, mais quand tu te blesses de manière répétitive et de manière récurrente, pardon, il faut savoir pourquoi. Parce que peut-être que tu te couches pas assez tard, assez tôt, pardon, peut-être que tu fais pas attention à ce que tu manges, peut-être que tu te reposes pas, tu fais pas ta sieste, tu comprends? Peut-être que t'as pas une hygiène de vie adaptée. Pour avoir une vie de footballeur de haut niveau, il faut faire des sacrifices. Hein. C'est bien beau de rouler dans une belle voiture, se saper et compagnie. Mais pour savoir ça, il faut avoir des gros sacrifices. Aujourd'hui, je prends Cristiano Ronaldo, qui est pour moi un joueur qui fait beaucoup de sacrifices, il bosse plus que les autres. Le mec qui bosse en plus les séances spécifiques. Et aujourd'hui, il a la trentaine, 31 ans. Regarde, t'as l'impression que c'est un jeune de 22 ans, 23 ans. Il est là, il fait ce qu'il faut, il fait le taf. Donc, si tu veux aujourd'hui arriver à donner un petit peu l'étendue de tout ça, il faut faire des sacrifices. Il ne faut pas faire comme tes potes. Mets-toi dans une bulle. Les potes, c'est bien de temps en temps, faut pas être coupé, voilà. Mais il faut que ça s'arrête là. Fais pas comme eux, les suis pas. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils n'ont pas les mêmes domaines de responsabilité, ils n'ont pas les mêmes engagements vis-à-vis d'un club. Tu vois, par exemple, quand tu es joueur, tu n'as pas le droit d'aller au ski. Dans ton contrat, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire en dehors du foot. D'accord. Et ça, les agents doivent sensibiliser là-dessus. Tu dois aussi avoir une assurance, que ce soit l'UNFP avec une assurance privée, si tu as un pépin, une blessure ou autre. Tu vois, faut pas hésiter aussi à faire une séance supplémentaire si tu penses que tu as des manques. Attends pas que ça se fasse tout seul. Viens les chercher ces choses-là. Tu veux réussir, donne-toi les moyens. Si tu joues pas, c'est peut-être que tu fais pas ce qu'il faut. Peut-être que tu arrives deux minutes en retard. Peut-être que ton hygiène de vie n'est pas adapté. Peut-être que tu as les qualités, mais tu fais pas ce qu'il faut. C'est à toi d'aller chercher pourquoi, de comprendre pourquoi. C'est à toi de te donner les moyens. Faut pas forcément chercher à chaque fois. Ouais, mon coach, il connaît pas, mais vas-y, il est tout le temps sur moi alors que j'ai le niveau. Oui, tu as peut-être le niveau à l'instant donné quand on regarde par rapport aux prestations du match. Mais en dehors du terrain, quelle vie tu vas associer à ça? Tu comprends, c'est tout ça. Merci. On enchaîne sur... Quelle analyse tu ferais, toi, de l'image de la profession? Bah, c'est une profession qui est très décriée, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Tu as différentes personnes. Tu as ceux qui font signer des joueurs pour prendre une commission et ça s'arrête là. Mm-hmm. Ils n'ont plus de son, plus d'image à un joueur après. Ils le rappellent au prochain mercato en fin de contrat. Tu as ceux qui te font... qui, ouais, on est là, on veut bosser avec toi, mais dès que tu te blesses ou t'es dans la merde, plus de son, plus d'image, on t'oublie. Moi, j'ai relancé beaucoup de carrières. Je relançais des joueurs comme Bafodé Djekabi, qui n'a pas joué pendant un an, Massiré Kanté, enfin, j'en passe, voilà, je t'ai donné deux noms aux exemples, mais je peux t'en citer d'autres, j'ai pris des joueurs d'en bas. Mais voilà, tout ça pour te dire, là, dernièrement, serait le chemin, un petit jeune qui est formé au PSG, stagiaire pro, qui a joué la Youth League, qui, du jour au lendemain, ça vient la basculer. Mauvais agent, mauvais conseil, mauvais endroit, il a été dans le club qu'il fallait pas. Il a pas, et derrière, bah, impossible de retrouver un club. Aujourd'hui, je lui conseille de revenir par la petite porte. CFA 2, fait 6 mois, il vient d'arriver, je l'ai mis. CFA 2, si tu fais ce qu'il faut, ça ira vite. Par contre, voilà, aujourd'hui, on a une image d'agent escroc, opportuniste, hautain, l'appât du gain, et surtout qui pense plus à sa gueule qu'à l'image du joueur. Et ça, c'est pas bon. Mais en contrepartie, tu as des mecs qui bossent, qui viennent d'en bas comme nous, qui ont connu la cuillère en bois et pas la cuillère en or. Tu vois, des mecs qui ont la dalle, des mecs qui ont envie de bosser, des mecs qui ont envie d'aider les joueurs. Des mecs qui ont envie d'apporter à des gens, tu vois, moi je connais d'autres agents, tu vois, je peux t'en citer, qui viennent d'en bas comme moi, qui font un super taf, t'as Laurent Erard, t'as Faïmbas, Greg Sinobad, des mecs, voilà, t'as Djibril Mandefou, tu vois. C'est des mecs qui bossent bien, tu vois, des mecs qui viennent d'en bas, il faut pas les envier. Moi j'aime bien, quand je suis content qu'il y ait des mecs comme ça qui réussissent, tu vois. C'est une motivation, tu vois, donc il faut les aider, il faut avoir des bonnes relations avec tout le monde. Après, il faut se dire que ça nous de changer cette image-là. Et il faut comprendre aux joueurs que c'est pas parce que cet agent-là il a un nom ou qu'il a été un grand joueur par le passé que forcément il va faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de baguette magique, j'ai pas de baguette magique. La différence, c'est qu'on ne travaille pas avec la terre entière. Il y a que 24 heures dans une journée, on ne travaille pas avec beaucoup de joueurs. Moi, je vais te donner du temps, de la proximité, je vais pouvoir passer du temps avec toi après le match, même en dehors du match, tu vois. Enfin, le lendemain, par exemple. Moi, je me déplace, je vais voir aujourd'hui, je suis dans beaucoup de stades, je vois beaucoup de matchs. Il y a des clubs qui me sollicitent pour aller voir des matchs, pour eux, pour aller analyser l'adversaire, un joueur qui les intéresse, tu vois, que ce soit au centre de formation ou des clubs pro.
Donc c'est que quelque part, il y a une petite reconnaissance, tu vois, de la compétence. On voit qu'il y a de la présence et qu'il y a de l'activité. Et ça, ça me fait plaisir. Donc ça veut dire qu'on essaye de redonner une autre image. Ouais. Moi, je pense bosser différemment tous ces éléments-là. Je fais de la gestion de carrière dans son ensemble avec de la prévention. Tu vois. Et c'est large. C'est un éventail assez large. Hein. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas signer un joueur, ouais, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait quand le joueur il se blesse? Justement par rapport à ça, quels sont toi tes. Pas tes projets, mais qu'est-ce que tu fais concrètement un joueur qui se blesse? Est-ce qu'il y a un projet derrière? Est-ce que. Bah je peux te citer dans ce cas-là, le cas en rebondir sur Bafou des yeux Kaby. Un joueur pour qui j'ai une grande estime, proximité, c'est un ami, c'est mon frère aussi. C'est un joueur qui, quand j'étais personne, m'a fait confiance. Il était au chômage pendant un an. Je lui ai rendu cette confiance. Il était blessé, je l'appelais chaque semaine, j'essayais de contacter le club, je faisais un point régulier avec les clubs pour voir si en était où et autres. Au final, il y a une blessure qui fait qu'il ne pouvait pas jouer. Espoir du PSG à 19 ans, inapte au football à 26 ans. Tu vois. Donc, j'ai vu avec le club pour qu'il ait une reconversion, j'ai parlé avec le club, on a vu, le club lui a tendu la main. Le Paris Football Club, qui était en national, lui a tendu la main pour une reconversion. Et aujourd'hui, je suis très content, il a rebondi, il est éducateur pour le Paris Saint-Germain. Tu vois, il fait de la formation, il est avec les U16. Donc je suis très content, tu vois. Voilà, on l'a accompagné, on l'a aidé. D'ailleurs, il le dit dans une interview parisienne. Heureusement que j'avais mon agent Farid Badj, ma famille, quelques années. Tu vois, moi, je suis pas de cet agent qui donne plus de son, plus d'image. J'ai été à sa place, blessé, où je peux plus rejouer, tu vois. Donc, j'étais là. Moi, je me mets tout le temps à la place du joueur. J'essaye, je suis aujourd'hui dans mon optique et ma vision de mon modèle de travail. On en reviendra tout à l'heure, donc je te dirai pas, mais on reviendra tout à l'heure. J'ai une conception des choses. Voilà. D'accord, très bien. Tu suis un jeune. Oui. Tu lui parles du scolaire? C'est important. Un jeune qui aujourd'hui fait pas attention au scolaire, c'est une catastrophe. J'en suis la preuve, puisqu'à 26 ans, j'ai dû passer mon BEP et mon bac. Tu vois? Je suis le résultat de tout ça. Donc aujourd'hui, apporter mon expertise, mon expérience et mon vécu là-dessus, c'est primordial. Demain, tu te blesses. Qu'est-ce que tu fais pour rebondir dans la victime? Tu vas fonder une famille. Tu as peut-être des projets. Qu'est-ce que tu vas faire? Subvenir à tes besoins, tes enfants, ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? L'école, c'est très important. Et je le dis, l'école, n'abandonnez jamais l'école, les joueurs. Jamais. Faites des formations parallèles, des études, et tout ça, c'est très important. Parce qu'il faut un bagage qui permet de rebondir. On est aujourd'hui dans une société où déjà, quand tu n'as pas de bac, on ne donne pas de valeur. Et là, le bac, c'est le minimum de la porte d'entrée, tu te rends compte? Donc, ce qui veut dire, il faut absolument étudier. Au-delà de ça, il faut savoir que les centres de formation ont signé une charte avec l'éducation nationale. Moi, j'ai un joueur, il y a 3 ans et demi, 4 ans, quand j'ai débuté, ils avaient validé sportivement, ils allaient le prendre. Mais ses bulletins étaient tellement catastrophiques, c'était le club de Dijon, qu'aucune école voulait de lui. Tu vois? Ce qui fait qu'il n'a pas pu signer. Donc tu te rends compte qu'à cause de ça, la tournure que ça donne à l'événement et à l'avenir. Donc, sur le plan sportif et sur le plan avenir, c'est important, très très important, tu vois? Donc moi je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes à ne jamais abandonner l'école, c'est très important. Très bien. Ne serait-ce que pour les langues, hein. Tu sais, aujourd'hui je vois, j'ai besoin de langue pour communiquer avec les clubs. Donc tu vois, par rapport à ça aujourd'hui, je le vois, je me dis putain merde, les cours d'anglais, putain, j'aurais dû être les cours d'espagnol. Là tu vois, il y a des langues, j'essaie d'apprendre l'allemand, hein. J'essaie d'apprendre l'anglais, tu vois, bien. Enfin, j'ai des notions d'anglais, hein. Mais j'essaie de devenir bien et bilingue, je préfère. D'accord. Voilà. Okay. Selon toi, quelles sont les qualités pour un bon footballeur? Les qualités? Qualité, bah, c'est les qualités techniques, l'état d'esprit et l'intelligence de jeu. Okay. Très important. Des joueurs qui font des passements de jambes, qui font du cirque, tout le monde sait le faire. Mais après, avoir une intelligence pour savoir comment les utiliser. Tu sais, les pieds, c'est les outils. Et le cerveau, il te sert à savoir comment tu sers de tes outils. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut savoir à quel moment je vais faire la passe au bon moment. À un moment donné, savoir quand il faut éliminer le joueur. Ce qu'on appelle gérer les temps forts et les temps faibles. Gérer le jeu court, le jeu long. Le jeu sans ballon. Tu vois? Les déplacements. C'est très important. Quand tu vas te déplacer ne serait-ce que d'un mètre, peut-être que tu vas libérer un espace pour un joueur qui va pouvoir aller faire un appel de balle, qui va pouvoir aller mettre un autre joueur dans une bonne disposition et lui mettre le ballon au bon moment. Quand tu vas faire un appel dans profondeur, peut-être que tu vas pouvoir te mettre dans les bonnes dispositions. Des fois, tu vas avoir une action où tu as deux possibilités, les deux vont t'amener au but,
Mais peut-être que là, tu t'es plus compliqué la vie, que le jeu, il n'était pas là, mais là. Tu vois? Donc c'est tout ça. Défensivement, avec un déplacement, si tu manques de vitesse, sur tes déplacements, tu peux être intelligent et combler tes lacunes par ces qualités-là. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on dit des fois des bons défenseurs de classe internationale, sur lesquels ils ont toujours le bon déplacement, ils sont toujours au bon moment, ou même les attaquants de surface. Donc, c'est ça. C'est l'intelligence de jeu pour moi qui est primordiale. Il faut avoir les qualités, hein. Technique et l'intelligence de jeu. C'est un ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Très bien. Un mot sur World Football Consulting ? Plus ? Ben écoute, World Football Consulting, comme je te l'ai dit, je t'ai dit pourquoi on a créé ça. Ouais. Je t'ai expliqué aussi quel était notre but, quelles étaient nos actions, quelles étaient notamment nos ambitions pour les joueurs ou pour nous-mêmes. Moi, mon but, c'est de venir dans les 10 à 15 ans, je suis jeune, faire partie du top 10 des meilleurs acteurs, on peut l'appeler agent, gestionnaire de carrière, comme tu veux, voilà, faire partie du top 15 des meilleurs agents ou gestionnaires de carrière de joueurs. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est pas la reconnaissance du nom. Je m'en fous de ça qu'on connaisse. La reconnaissance du travail. Tu vas dire, ouais, ce mec-là, putain, c'est un bosseur, c'est un charbonneur. Ce mec-là, c'est un mec qui lâche pas, qui abandonne jamais, tu vois. Très important. Après, on n'est pas propre, hein. Tu sais, moi, j'ai fait des erreurs au début quand j'ai commencé. Sur ma communication, sur la gestion, tu vois. Et il faut savoir qu'il y a des joueurs aussi qui les font à l'envers. C'est pas tout le temps les agents qui les font à l'envers. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas honnêtes dans le milieu du football. Et aujourd'hui, avoir des joueurs qui baissent leur froc, il y en a pas mal. Par contre, il y a des joueurs, c'est des bonhommes. Tu prends Riyad Mahrez, son agent, c'est un pote à moi, Kamel Benougam. Plein de gens ont essayé de le récupérer. Non, moi, quand j'étais dans la merde, Kamel il était là pour moi. Je ne lâche pas. Frank Wolfinger, pareil, un ami qui est agent. Naïm Sliti, son joueur, non. Moi, Naïm, moi, Frank, quand j'étais dans la merde, il était là. Quand j'étais en galère pendant un an, je parle. Et vous croyez que maintenant, je vais lâcher? Jamais de la vie. Ça, c'est des bons joueurs. Ça, c'est des bonhommes, ils ont un état d'esprit. Nous, c'est ça, c'est ces valeurs. Des fois, j'ai eu des bons joueurs que j'ai suivis. Au final, on a refusé de bosser avec eux parce qu'ils n'avaient pas cet état d'esprit. Ou ils n'avaient pas les valeurs humaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un ensemble. C'est pas que la qualité du joueur. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du joueur, le feeling et la valeur humaine. C'est un ensemble. Tu sais, ton agent, ça ne doit pas devenir que ton agent. Ça doit devenir ton gars sûr, ça doit devenir ton pote. C'est un mec à qui tu vas confier des intérêts personnels. Tu vas donner des choses confidentielles. C'est un gars qui doit être le charbon pour toi, qui doit être là. Mais vice-versa. Moi, je dis toujours aux joueurs, c'est pas moi qui bosse pour toi, c'est pas toi qui bosse en moi. C'est on bosse ensemble, on est une team, on est une équipe. Tu vois, après, World Football Consulting, comme dit Amel, nos valeurs sont votre succès. On peut vous retrouver où? On peut nous retrouver sur les terrains, au bord des terrains, dans les tribunes. Voilà, donc c'est voilà, c'est ça. Après, notre modèle de travail, je sais pas si tu avais une question, je crois, là-dessus. Ouais, modèle de travail. Mon modèle de travail, c'est globalement, c'est mon modèle. J'essaie d'être l'agent que moi j'aurais voulu avoir quand j'étais joueur. D'accord. Tout simplement. Voilà. Très bien. Très bien. Une anecdote à nous donner? Anecdote sur quoi? Sur ce qui peut arriver, le foot, le... Ah ben ça peut arriver vite, hein. Il y a un joueur pour qui je ne citerai pas son nom, ni le nom du club. Ça arrivait juste ce mercato d'hiver. Mais écoute, le club de Ligue espagnole le voulait. Le directeur sportif a appelé les interlocuteurs de club. Sont pas entendus. L'agent et le directeur sportif du club espagnol, l'agent qui était mandaté par le club, nous ont contacté, nous dit mais attendez, c'est quoi ces gens-là? Voilà, c'était dans les toutes fins dernières, il restait 4 heures, 5 heures, la clôture du mercato. Ça s'est pas fait, on s'était mis d'accord avec le club, mais ça s'est pas fait. On s'était mis d'accord avec le nouveau club, mais entre les deux parties, ils ne sont pas faits, donc ça a fait capoter. Donc d'où l'intérêt, faire en sorte que les deux parties s'entendent. Voilà, après, une anecdote aussi, des fois, on a des. J'ai un joueur qui est un gros talent, mais qui n'a pas l'état d'esprit. Il a joué en équipe de France, il a joué en Ligue 2 très jeune. Je ne citerai pas son nom parce que je veux pas. Voilà, j'espère vraiment qu'il va réussir et qu'il va avoir changé son état d'esprit et autres, mais on a fait pour lui pas mal de choses. Mais dedans, il n'est pas prêt à être footballeur professionnel. Il a toutes les qualités, mais là, il n'est pas prêt. Donc comme quoi l'état d'esprit, le mental, c'est important. Et au final, on a dit, écoute, l'état d'esprit, c'est pas possible. Donc on arrête là. D'accord. Un dernier mot, un mot sur la banlieue. Sur ce qui se passe en ce moment. La banlieue, c'est une richesse, il faut s'en servir de la banlieue. On vient d'en bas, on a faim, on a la dalle, on a des valeurs. On n'a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche, comme je l'ai dit. Il faut faire deux fois plus que les autres. Mais je dis aussi, il faut être une roue motrice, il faut être l'exemple pour ceux qui vont arriver derrière.
Et faut pas tout le temps se ressortir que par le foot ou le rap, par l'école, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, c'est très important. Et après, pour moi, la banlieue apporte beaucoup au football aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une touche technique, on a une niaque qu'on n'a pas dans d'autres, en dehors de la banlieue par rapport aux joueurs. Après, il y a une diversité, une richesse multiculturelle qui est une grosse force, quoi. Servez-vous de la banlieue, c'est très important. Là d'où vous venez, servez-vous de ça comme une force, mais pour bon escient, pour faire des bonnes choses, pas pour faire les voyous dire ah, moi je viens du 9-3, je viens de tel quartier, sans balayant, ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est tu veux illustrer ton quartier, qu'est-ce que tu fais de bien pour l'image du quartier? Ah putain, ce joueur-là, là, il a gagné la Ligue des Champions, et lui il vient de chez nous. Ce mec-là, ouais, ben moi je viens de tel quartier, voilà. Rien ne m'arrête, pour moi, c'est un mec qui donne un bon exemple, tu vois. C'est une bonne illustration, tu vois. Voilà, c'est comme ça un joueur qui est mis sur le devant de la scène et autres. Voilà, c'est. J'entends jamais parler de lui sur des faits divers ou autres, tu vois. Il y a des joueurs, on entend parler de faits divers, boîte de nuit, meuf, là, tromper sa femme, il a fait ci, joueur, poker, il a joué Paris, compagnie, c'est pas bon ça. Faut rester humble, simple, n'oubliez pas d'où vous venez, tout simplement. Très bien. Mais merci, pareil. Non, rien, je t'en prie. C'était un grand plaisir de t'entendre et ouais, c'est gentil. De participer à. Ah, pas de soucis, tu veux avec humilité, simplicité, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à toi, merci de ton temps et d'avoir répondu à toutes les questions. Pas de problème, je t'en prie, à très bientôt. Okay. Là, c'est vrai qu'avec la table, en plus, sur le crâne, on boit un verre, on discute, ça fait notre bah ouais. Mais comme tu veux pas te montrer dedans, avec la caméra en face, c'est ce qu'ils font maintenant. Ouais. Alors, tu peux nous expliquer.